Malouin. Un tir bloqué, retour. Cloutier était dans l'enclave. Et là, le filet est sorti. Parker. Parker avec un sucker punch au visage de Chris Cloutier. Un autre sucker punch au visage de Cloutier. Et c'est deux points coup sur coup, sans manquer les gars qu'on descend les coups au visage de Chris Cloutier. Ça, c'est Derek Parker qui enlève. C'est Rupas! Rupas sur les doigts de visage! John Cooper qui fait Rupas! Rupas avec un jab! Super! Wow. Quel combat Gabriel Rupas! Encore une fois, Gabriel Rupas est à Parker! Parker enlève le casse à Rupas! Rupas! Quel doigt de Rupas! Encore une fois, Gabriel Rupas, mesdames et messieurs! Rupas a donné le long pas de Parker! Mais là, il y a un quel coup de poing Gabriel Rupas! Encore! Gabriel Rupas, mesdames et messieurs! Quel combat! Gabriel Rupas, on sait, il est capable de frapper. Et c'était trop pour lui. Il a décidé d'y aller. Il a vu les... comme tu l'as marqué. Derek Parker, sonné, saigne de partout dans le visage. Gabriel Rupas avec la célébration. Et Parker, coupé au visage, son chandail est Blakes. Gabriel Rupas qui s'en prend vraiment. Et Gabriel Malouin et la belle en fontaine quoi là. À l'homme fort des pétroliers du Nord, Rupas, on le rappelle, qui est un défenseur, qui joue sur l'avantage numérique, qui fait tout alors que Malouin. C'est la belle qui veut s'en aller, Malouin. Ils habitent au maire. Oh, hey, capable. Et l'habit de mettre son casse, même. Et les deux Malouin. Les deux Malouin sont dans le tour. Ça en donne à ta joie. Et Karel Zellerin. Karel Zellerin enlève son gant. Karel Zellerin est parti. Karel Zellerin est dans le tour. Et même jeter les gants. Que je le tire aussi plus loin. Karel est allé sur le banc. Karel a dit au gardien, non, non, je vois parce que son cap contre deux. C'est pour ça qu'il est allé. Karel, on a failli avoir un combat de gardien ce soir. Quel joueur de coupe Karel Saint-Laurent. Yannick Malouin est furieux sur la glace. Honnêtement, je m'attendais à une telle situation. Les Marquis n'ont plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas aller un peu brasser le tout? Et Yannick Malouin au banc des Pelvaliers, là. C'est Bordelot qui est allé en marquis. Fait semblant d'avoir du soldat, ça prend la Malouin. Les projectiles commencent à se lancer sur la patinoire. Oui, ça on veut pas voir ça, par contre. On va demander, s'il vous plaît, de ne lancer aucun objet sur la patinoire. Même le gérant d'équipement de Laval qui...